Ok, c'est sûrement du. T'as pas les couilles, couilles, Yaya, t'as pas les couilles. Ah oui, ça arrive en bas là. Ça va, Abdoula, ça va, et toi? Bien. Abdoula, ça va, l'archi, je crois. La baisse. Non, non, je parle pas avec toi, ça bug absolument pas, on me comprend parfaitement bien. Donc c'est peut-être vous qui avez peut-être des problèmes, ça se nettoie les oreilles. On me pose des questions, je réponds. On comprend, j'essaie de mettre une bonne intonation, mais vous, vous comprenez que dalle, hein, visiblement. On y va! Trader, ok, tu trades un peu. C'est à peu près ça. Ok, ok. Et c'est quoi comme crypto que t'as pu retirer alors qu'il a bien marché pour toi? Pourquoi t'as envie de savoir? Bah, je suis curieux. Ça se dit pas, ça. Comment ça, ça se dit pas? Bah, ça se dit pas, c'est comme si que, genre, je te donne tout mon savoir, en fait. Je te donne là où faut aller. Il y a zéro savoir à avoir, enfin, je veux juste, c'est juste une étude de courbe, c'est tout. Et c'est-à-dire une étude de courbe? Et Nelo Yanoum, Eloïcham, Eloïcham, Chomé Chomé Israël. Et Nelo Yanoum, Eloïcham, Eloïcham, Chomé Israël. Bah, c'est-à-dire, c'est... Non, mais c'est du casino, c'est du pré-shooting, c'est tout, y'a rien. Comment c'est du pré-shooting? Mais on n'est pas sur un casino, là. Il mytho. C'est bien ce que je. Ah, je mytho? Bah ouais, tout le monde t'a dit que tu mytho, regarde. Vas-y, fort. 100% mytho, full mytho, Skip, il est à l'ouest. Le mytho, il comprend que dalle, c'est un fiche, il vit du RSA, c'est un sale pauvre, gros mytho. Il est loyanoum, Eloïcham, Eloïcham, Chomer Chomer, Free Palestine, Free Palestine, Chomer Chomer, Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine, Chomer Chomer, Free Palestine. Ouais, je vous laisse à vos occupations, les gars. Ouais, t'as mal parlé, gros. Solide avec moi, on est pas copains, d'accord? Allez, bonne soirée à vous. Ouais, t'as mal parlé, gros. Défends-toi, wesh. Sérieux, Gucci Man? Mais non! Qu'est-ce qu'il fait, toi? Voilà, il m'a fait ban Twitch. C'est lui qui t'a fait ban Twitch, ouais, c'est lui. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que tu veux foutre, là? Oh, c'est je t'en remercie. Hey, Gucci Man, évite de faire ban les Twitch, les mecs. Mais de quoi? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu l'as fait ban Twitch, tu l'as fait ban Twitch. Bah, bien sûr. Oh, Israel! Hello. Yes, you are fighting for Palestine, for free Palestine. No, basta. Why? We are fighting Palestine. No fighting. Ah, but they did nothing, guys. Why you are fighting for them? Peace and love, peace. Hey. No. We did nothing. We did nothing. You just have stolen their land. They were here before you guys. No. No. Ah, je les ai fumés, Max. Ils avaient nos arguments. Ça n'a aucun sens. Ah, tu sais, moi, j'ai un métier dans la vie, moi. J'espère pas que ça branle de streamer. Tu veux parler avec moi? Le pauvre. Il méritait pas ça. Ah bah. Ouais, toi, en plus, tu arrives bien à taper ton collègue en plus. Say, ça va, salon. Wait. Ok. Say. Why? 2, 3, Free Palestine! No! Free Palestine, salam alaikum! No. No, yes, free Palestine! It's no! Good. Hey, Shabbat Shalom! No! Salam alaikum and free Palestine! Palestine is not good! It's good! Good country! Reste sur tes appuis, reste solide avec moi, on n'est pas copains, d'accord? Mais non, mais j'ai jamais été ton pote, gros, c'est toi qui viens d'arriver, qu'est-ce que tu parles, toi? Allez, vas-y, reste par terre. Attends de faire le gamin sur ton petit truc de live de merde. Je sais Israël! Non, Israël, but. Free Palestine! No, you love Israel and Palestine? No, I love Palestine and Israël. Non. Je sais pas quel perso j'ai sur ce serveur, on va voir. Suspense, ah bah de la croix. Nickel. Excusez-moi, veuillez bien ouvrir le véhicule s'il vous plaît. Allez, salut, c'est tout pour moi, merci de m'avoir suivi, en tout cas on se retrouve demain pour... Et l'autre qui se barre, putain. On va aller en Ukraine.
Slava Ukraina. Slava Russia. Slava Nastie. Slava Russia. Slava Putin. Pizde, pizde, ruski federaz. Să Ukraine pideraz. Vien t'enculer avec ton Zelensky de nazi. Pardon? Vien t'enculer avec ton Zelensky de nazi. Hey, parle pas, hey, parle-moi autrement, hey, hey, je suis français, moi. Je suis choqué. Vous êtes très marrant, en tout cas, y'a pas de soucis à ce niveau-là. Blanc, t'es blanc dans la vraie vie, toi? Ah, là, t'es encore plus drôle, là. Non, mais sinon, t'es dans, t'es de quel coin, vraiment? C'est typiquement les gens qui habitent près de la Loire, là, soit ils habitent à Tours ou Angers, des trucs comme ça, là. Mais il est pas sudiste, c'est sûr. Mais comment tu sais? Mais comment tu sais? Vraiment, t'es fort, hein. Non, sur cet appli, mettez d'arbre en France, il parle même pas un seul mot français. Regarde, lui comprend, il est perdu. Je vais aller sur mes gueules, taper des. Essayer de chercher des meufs. Regarde-moi ce bouffon. Hein. Incroyable ça. Et après, ça se prétend, ouais, Paris 2024, t'es même pas français. Il parle même pas un seul mot français, il comprend rien. Il comprend rien, les gars. Regardez-moi ça. Il a le regard comme ça, il le regarde perdu. Et il sait même pas ce qu'il va faire. Va à Champs-sur-Marne, il y a des chantiers. Viens, on a du boulot pour toi. Oh, purée. Il y a qu'un seul hobby, c'est genre la pêche, là. Putain, mais hey, tu devines toute ma vie en plus. Bah oui, bah je sais très bien que t'es vraiment très doué. Mais ça, on a déjà dû jouer ensemble, mais je te me rappelle pas de toi. Parce mais que tu fais de la pêche non kill. C'est les pires victimes, ça, IRL. Vous vous abîmez les bouches des poissons, vous servez qu'à ça. Toi, comprendre. Hein, Ngougou. Ngougou. Comprendre français. Comme. Tiens, moi, on est de bonne oeil. Widou. Hello. Ah, t'es de bonne oeil. Hello. Ah, salam, Kardeshim. Salam, Kardeshim. Je parle là-bas. Quoi? Qu'est-ce que tu parles là-bas? Tu parles. J'ai pas compris rien du tout, qu'est-ce que tu parles? Tu parles français? Oui, je parle, bien sûr. Merde! Lui il se branle, c'est sûr. Regardez-le, les gars. Regardez, il comprend même pas un seul mot de français, ce guignol. On peut le terminer en live, les gars. Bah, ferme ta gueule, fils de pute, tu parles français. C'est pour la forme, le genre qui s'est pendu à la. Tiens, je sais pas ce que tu chouines comme une gonzesse. Je sais pas, c'est pourquoi vous frappez mon chinois. Prenez la petite. Oui, parce qu'il loupé. Mais pourquoi j'arrive? C'est quoi mes points? Mais regardez. Mais regardez, j'arrive. Attendez, je sais pas comment ça se fait que j'ai aucune allonge. Regardez. Ah, si, quand même. Vous avez une allonge, bordel de merde. Pardon, excusez-moi, monsieur. Tu es malade, y'a quoi dans ta tête? Ah désolé, je savais pas, désolé, excuse-moi gros. Non, comment désolé. Ça, désolé? Désolé hein. Vas-y, cap. Vous m'avez appelé, monsieur le ministre. Non mais désolé, alors, je suis assez sporté. Oh là 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 là. Je suis pas chez. Mais t'as fait pas de cheval, monsieur Larouille. Hein, j'ai pas entendu. Je connais, mais je suis pas ta banque. Vous êtes vietnamien? Non, je suis français. Vous avez des yeux qui font comme ça? Parce que je suis né 5 mois d'avance. J'ai pas entendu. Je suis né 5 mois d'avance. Ah, 5 mois d'avance. Oh, plus cher. Ah, vous vas se moquer. Vous remets le cœur, mais t'es un ouf, après t'es un ouf. Je m'en gueule, ça va quoi? C'est bien comme mon vocal. Ah, ça va. Mais non, Soso. Il sympathise. Ça vient de Paris. Il est dans le Luc, hein, les gars, hein. Non ouais, pareil, Je connais, hein. Hein. Voilà, ça, fils d'un pute. La chatte à ta mère. C'est quoi ces... Ah ouais, j'en ai marre là, de ma mère. Mais non, par rapport à son visage. Oh les bâtards. Je suis né fin janvier, de... normalement j'aurais dû naître le 1er mai, je suis né fin janvier, et j'ai 50 ans. Et en plus elle rigole, elle se fout de lui, attends. Mais moi je suis né comme ça. Moi tu es né 5 mois avant terme. Hein? Et moi, c'est pour ça que t'as des yeux comme ça en fait. Moi je suis né un mois après terme. Staff. Salut, désolé de vous déranger, c'est quel rank ici? Aucun rank, mon ref. Aucun rank. Mais les gars, pourquoi vous faites des games sans rank? Ça n'a aucun intérêt, c'est comme si vous amusiez sur... avec des bots. Bouffez-moi le cul alors, putain. Tu sais, t'es. En plus d'être bizarre, t'es cringe, fils de pute.
Mais je veux te dire, il y a des gens qui font ça, ils ont une vie difficile, ils vont faire la même chose. Soit ils vont attraper des maladies, ils ne vont pas. Faut pas recommencer. Tu comprends? D'ailleurs, je veux juste intervenir. Par contre, Broco, ton chien, ton chien, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est dramatique, c'est normal. Il se trouve qu'il était en mauvais point. Il était un peu malade. D'accord. Je me suis dit, bon, c'est quoi? J'avais jamais de la viande fraîche, je l'ai utilisée pour mon kebab. Donc, je préfère lui dire la vérité parce qu'il ne sait pas où. Libérer toutes les personnes de la partie. Je te jure, on n'est pas parti. On est parisien, non, quoi de Paris. Donc, s'il vous plaît, ouais, friri. Y'a personne sauf les loulous. Certaines personnes veulent que les coudous arrêtent un peu comme les goudous. Je suis crispé ou pas? Est-ce que tu me trouves crispé? Ah bah oui, là, t'es crispé. Non, non, comme tu parles quand t'es venu, là, t'es complètement. Non, mais je suis d'accord. Non, il me va bien ou pas? Ou je suis trop serré? Bah là, on voit ton visage, t'es trop serré. C'est pas bien du tout. Excuse-moi, Nazim. C'est ce que je pense. T'es trop serré. Je les vois tous avec de l'autotune, un doigt choco, un doigt toco, car finalement l'auto-t-chat, mais bon c'est vrai que le petit chat, et même si c'est vrai que le petit chat commence à balancer des mots, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, à part si c'est pour dire le mot prépuce, non. Face à Futuri, du musical, oui, tu m'entends? Oui, je te dis, on a écouté les chansons, et on va le faire justement, on a préparé des paroles. Laisse-moi parler, j'ai fait ma première partie, et justement, ouais, c'est je veux... C'est trop long, Manu, ça passera pas en radio. Non, ça passera pas en radio, Manu, écoute-moi, Nazim, ça ne passera pas en radio, 12 minutes, c'est trop long. Non, mais Nazim, il faut que je te fasse une version courte, Manu. J'ai rien à dire, c'est dommage. Je suis comme Esteban dans le Grand Condor. Donc je vis des cités d'or. Et y'a personne sauf le meurdeur. Arrête un peu, je suis comme Voldemort. C'est autre chose, moi j'ai fait une autre partie. Et moi, la partie, la chanson que j'ai fait, ça, j'ai appelé des paroles bouleversantes. Et ce qui me manque, parce que demain après-midi je vais travailler, tu vois, ça va très vite. Il me manque ta partie. Est-ce que tu peux m'envoyer une chanson musicale de ta part, Nazim? Oui, c'est ce que je viens de te dire. Il faut que tu me débloques et je t'envoie le lien directement. Ah oh, bah y'a pas de problème, je finis mon live. Il faut que tu l'apportes parce que demain après-midi on va travailler. You want to hear me? Yeah, I'm hear you. Okay. Okay. Wait. Je vais faire un faux truc, c'est vrai? Vas-y. Bah, c'est... Okay. Hey. Bon là. Donc, la très jolie chant. Un pour Satan. J'ai pu faire la chaîne, Nel. Salut! Alors, chiel, vous avez chiel, vu, c'est une très jolie chiel, chanson que j'ai fait. Ça bug absolument pas. On comprend parfaitement bien. Donc, c'est peut-être vous qui avez peut-être des problèmes. Ça se nettoie les oreilles. On me pose des questions. Je réponds. On comprend. J'essaie de mettre une bonne intonation. Mais vous comprenez que dalle, visiblement. Le bon sens, c'est vous, ça va pas. Alors, qui c'est qui nous pose des embrouille. Questions? Parce tu vas refaire, tu copies. Mais moi, je copie pas. Trop, je suis loin de grandir que des bandits dans le son de système. Si toi, tu nous as menti. Bien à moi, Nazim, me trouvant sur le slam de Manu, précisant avoir une bonne attitude et bien s'exprimer pendant mon texte. Manu a toujours une grande estime de soi, auteur, compositeur, alors qu'il est simple slammer, balance de premier, il est. Et très vite, Missa, nous Missa, on sent à qui on a affaire. Toujours le courage de mes opinions. Quand j'aurai racheté nos terres au bled, là je pourrais crever Sten. Il faut kilos de péruviennes, les rappeurs chez tous des collégiennes. Ce mois-ci, j'en bénède. Rassurons tout le monde, j'apprécie le petit Manu, malgré son imagination. In the question. De se demander à quand un duo. Voici alors le duo tant attendu et donnant la joie de vivre. Pour une paire, je visse de trois mesures de cesse. Si, j'ai la boue de fer, franc comme l'hiver, je siffle comme un mec. Là, je suis perverti par le yalo. Mais avant, genre, je te suivais, mais ça faisait grand temps. Sur Twitch ou en live sur Twitch ou tu me suivais sur mes vidéos YouTube? En fait, je te suivais surtout sur tes vidéos YouTube. Ok. D'accord. TikTok aussi, parce que tu Et ça allait mal, c'est-à-dire, ouais, on te faisait chier par exemple à l'école et tout. Et pour penser à autre chose, tu regardais mes vidéos. Oh, franchement, j'applaudis, hein, franchement. Si ça te faisait rire et ça te faisait passer un bon moment, c'est le principal. Hein. Franchement, je vais te dire un truc, mais franchement, toi, t'es une personne de moi qui a de l'humour, tu vois. Ah, merci, bah merci. Ah, mais si, j'ai demandé de faire des changements, qu'on vire Cavani, il servait à rien. Ah, bah, je lui dis, non, je suis malade. Il a changé. En vrai, là, j'ai trop hâte de voir ce vent en attaque, là. C'est plus fort. Mais une passe, mais Guénimar, il fout de la merde. Tu vois, t'es fort en attaque. Bien sûr, il fout de la merde. Au moins, elle a un open. Mid. Ouais, c'est moi, ouais. Je suis abonné, je lâche un like, c'est bon. Merci beaucoup. Follow. Oh, attends, c'est quoi ce titre, là? J'ai mis quoi comme titre? Attends, excuse-moi.
un noir de cité drague une belle blanche. Bah je t'explique. Salut, à plus tard. Ouais, salam, comment tu vas bien, à la forme, tranquille. Oui, ça va, on a eu un pédard juste avant aussi, il savait juste te dire tapoter. La forme, tranquille. Ouais, tranquille. Calme-toi sur le match, par contre, Karim, calme-toi, on est en train de discuter, je sais que t'as pas l'habitude. Ça va, Hamdoullah, ça va, et toi? Bien. Hamdoullah, ça va, l'archi, je crois, la baisse. Non, je parle pas avec toi, je parle avec mon père, oh. Il y a peut-être moyen de scroll, les gars. Le mec, il doit avoir 30 piges, gros, et... Il a l'âge d'avoir la responsabilité. J'ai 41 ans, bien juste ma cible. Aujourd'hui, on est avec Kaya. C'est un enfant, un gamin qui me troll et qui fait pas, qui manque de respect. C'est chaud quand même. Ça se moque. Ok, c'est sûrement du. T'as pas les couilles, Kaya, t'as pas les couilles. Ah oui, ça arrive en bas là. C'est meilleur! C'était pas 30 minutes, non? Alors, Yaya! Alors, pas moi, ta grande gueule, Yaya! Ah non, pas Yaya! Allez, mon père, allez, bonsoir, et mon père! J'envoie une rage en frontale, les gars, donc comment je commence à savoir quoi, les gars? Je commence à avoir là. Excusez-moi, les amis, c'est que tu es pas. Encore, Régis, qu'est-ce qu'on a dit? Tu viens me piéger maintenant sur mes lives? Mais, maintenant j'ai mon astuce. C'est quoi? Je mets un doigt dans son vagin, dans sa chatte, et discrètement, pour pas qu'elle voit, tu vois, pour pas qu'elle mette le macho. Ouais. Ça va, c'est un malin. Ouais, les amis. Tu m'énerves, sors de mon live, tu prends ma vedette. Tu prends ma vedette, tu m'énerves. Comment, dites-moi, les amis, comment on sort de live, s'il te plaît. Tu me prends la vedette, sors de mon live. Mais pourquoi tu me fais ça? On est en live tranquille, mais pourquoi tu me parles de meuf? T'en as trouvé une là récemment? J'ai envie de te montrer ma queue. Non, pas maintenant. On fait que ça depuis tout à l'heure. Mais... C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.